La célébration de l'indépendance du Gabon au domicile de Vincent de Paul Ngondjou était une occasion pour le député de ce siège de clarifier les choses sur ce qui semble être devenu une incompréhension à propos des déguerpissements dans sa circonscription. Le problème que nous avons rencontré, ce n'est pas avec les propriétaires, c'est beaucoup plus avec les locataires. Parce que les propriétaires ont touché leurs droits et ont bien dit aux locataires de quitter les lieux à une date bien précise. Mais vous savez très bien que d'aucuns pensaient que ce projet, c'est un projet qui ne verrait pas le jour. Et forte était la surprise de tout le monde de constater qu'un matin, les engins arrivent pour casser. Il y a tout de même des zones qui n'ont pas encore connu les dédommagements qui feront l'objet d'un communiqué. Et pour les familles en détresse pendant les premiers déguerpissements, elles sont aujourd'hui relogées de façon provisoire dans le 6e arrondissement en attendant la livraison des logements sociaux à Ngondjé. Il y a la zone de Saint-Palmier à Kimdjovoni, où certaines populations n'ont pas encore été indemnisées, où il y a des revendications. Et ces revendications, j'ai un rendez-vous avec le ministre de Gambia mardi, justement, pour régler le problème de, je pense, ces 3 ou 4 familles. Ça va être réglé. Et je pense qu'une fois que ces problèmes sont réglés avec ces différentes familles, tout le monde trouvera son compte. Nous avons relogé 5 familles, ont été relogées provisoirement à Zarayon. Et les logements sont en voie de finition dans la commune d'Akanda, plus précisément en Ngondjé. Donc ces 5 familles sont bien logées actuellement à Zarayon. Le développement est une affaire de tous et pour le député, aucune famille ne se sentira lésée car les mesures et dispositions nécessaires sont prises pour assurer l'accompagnement des familles déguerpies.